pas vous, non. Non, c'est... Non, pas le mec, celui-là, là. Non, l'autre, celui qui se barre, là. Il, celui, bon, tant pis. Oui, je sais, j'ai l'air un peu con. Ah non, mais l'uniforme, il est pour beaucoup. Ah si, parce que ma femme me dit toujours « T'as signé sans réfléchir !» Elle me dit « Et alors ?» Eh, j'ai demandé aux autres, ils ont fait pareil, hein. Si on avait réfléchi, on n'aurait pas signé, faut pas nous prendre pour des cons non plus. Remarquez, on rentre pas comme ça dans la police, hein. Y a les examens et tout, on passe devant des psychiatres. Moi, je suis passé devant un psychiatre, il m'a dit « Combien j'ai de doigts ?» Alors, j'ai des examens, hein. J'ai dit, je sais pas, 15. Il m'a dit, bon, signez-la, 15 ans. J'ai eu du bol, hein, j'ai dit ça au hasard. J'aurais pu avoir tout faux. J'avais tout bon. Eh, remarquez, c'est utile comme métier. Si. Le chef, il dit tout le temps, l'agent de police est à l'automobiliste, ce que le crapaud est à l'insecte. Puis c'est bien, l'uniforme, c'est pour draguer. Les gosses. Alors, hé, hey, mettons, alors moi, parce que des, quand on est... Hein? Ah, si? Bon, alors, un autre exemple. Tiens, je vais vous le faire, ça va aller plus vite. Alors, voilà, mettons, parce que... Bon. Alors... Oh non, merde, déconnez pas, merde. Non, vous êtes salaud. Je m'en fous. Hein. Bon. Alors, non. Alors, je le fais. Hé, là-bas, la blonde avec le gosse au pied. Sec. Ouais, vous avez vos papiers, je suis de la police. Voyons voir. Ginette. C'est joli comme nous, ça, hein? Ginette. 17 ans moi aussi. De métier, moi, oui. Il est mignon, c'est votre petit frère, hein? Votre fils. Bon, c'est reculé. Non, là, c'est un mauvais exemple. Mais d'habitude, ça marche. Hein. Et dis-donc, un gosse est grand comme ça, et déjà les cheveux longs, grand comme ça. Faut déconner, merde. Après, à 18 ans, tu te retrouves dans les manifs, hein. Petit salaud. C'est pas le mien quand on va dans les manifs, parce que chez les frères, jusqu'à 21 ans, on n'a pas le droit de sortir. Marqué, on a le droit d'aller le voir, hein. Mais on n'y va pas parce que ça lui fait trop de peine qu'on le quitte. Il pourra rentrer dans la gendarmerie, dans l'armée de terre, dans l'armée de l'air, dans l'armée de mer, dans la marine, enfin si vous voulez, quoi. Mais si vous voulez, j'aimerais mieux qu'il fasse pas police, parce que la police, c'est trop ingrat comme métier. C'est vrai, c'est un grand police. Parce que je vois, parce que par exemple, quand on, des fois, on est, parce que, par exemple, je vois, parce que les gens ne nous aiment pas. C'est con, hein, parce que nous, on est là pour les protéger, on est là pour les défendre. Hein. Tant pis. Je vois, les gens ne nous aiment pas parce que c'est flagrant, c'est dans les manifs. Parce que nous, dans les manifs, on est obligé de taper, hein. On le fait pas pour le plaisir, hein. Ils nous obligent. Non, puis on fait gaffe, parce que dans les manifs, il y a les fils dégradés, ils ont les cheveux jusqu'à là, je les reconnais pas. Ah ouais, puis il y a les appariteurs. Dans les manifs. Eh. Les appariteurs, c'est les flics en civil qu'on met les manifs, alors. C'est eux qui cassent les vitrines, tout ça, pour dire que c'est les ouvriers, les étudiants. Non, déconnez pas, on va se faire piquer. Elle dit, on fait gaffe, elle dit, tu vois pas le coup qu'on t'a passé la gueule d'un flic. On se fend la gueule. On est une bande de jeunes, on se marre. Parce que je vois, les gens, ils disent « Oui, la police, c'est un refuge pour les alcooliques qu'on n'a pas voulu à SNCF et au PTT. »
Oui, mais non. En fait, c'est exagéré. Parce que moi, je vois... Bon, je suis pas dans un gros commissariat, hein. Bon. Mais je vois déjà, rien qu'au commissariat que je suis, il y en a au moins... Que je dise pas de bêtises. Il y en a au moins 4 qui boivent pas. Si, de la bière. Non, puis l'apéritif avec les copains, puis du vin à table. Des nôtres, tout ça. Bon, ben, c'est, à part ça, il y en a... Ah ben, c'est comme dans tous les troupeaux, il peut y avoir des brebis galeuses qui se glissent. Nous, on a Robert, c'est un grand, il est marrant. Et c'est un troupeau, lui, tout seul. Hé, non, je connais pas, mais... Je m'en fous, moi, je la connais, l'histoire. Hein. C'est vraiment pour aider. Alors, bon, alors l'autre jour, il arrive, il gueulait. Robert, il arrive. J'en ai eu un, j'en ai eu un. J'en ai eu un! Il gueulait, il en avait eu un. J'y étais, alors. Il avait arrêté un mec pour état d'ivresse qui était plus bourré que lui. Vachement rare. Hein. Faut dire que l'autre, il fait esprit aussi, il en avait plein sa musette. Hein. T'es sympa d'ailleurs, un mec. Raymond, il s'appelait. Un charcutier. Moustache, court, très sympa. Alors, il a payé le coup et tout. Alors, Robert, il disait, mais Raymond, il faut pas rouler à 150 à l'heure quand on était à l'adresse. Alors, il disait, eh ben justement, monsieur l'agent, je me dépêche de rentrer parce que quand on est bourré, on peut avoir un accident. Tiens, un exemple. L'autre jour, il y a un bicnit, il vient pour changer une carte d'identité. Bon, un truc. Mais bon, bon, bon. Alors, il arrive, alors Robert, il fait... Hé, hey, tu me donneras l'adresse de ton coiffeur. Après, on s'est marié, on lui a cassé la gueule. Hein? Ah non, mais on fait grave, on tape avec le plat de la main dans le dos. Comme ça, ça fait vachement mal, mais ça fait pas de traces. Ah non, on n'a pas le droit aux traces. Ah non, elle déconne pas avec ça. Non, non, elle rigolait pas, là. Non. Je m'en fous, je vais prendre des noms, hein. Non, déconnez pas, mais les mecs, quand ils ont des traces, après, ils peuvent porter plainte, hein. Marqué pour porter plainte, il faudrait qu'ils viennent au commissariat, alors. Non, mais en général, ils viennent pas, on n'a pas à se plaindre. Alors, après, on l'avait attaché à la grille avec des menottes, parce qu'on fait des jeux, tout ça. Ah, on se rend la gueule, hein. Et puis alors, Robert a été chercher sa tondeuse, parce que Robert, il a une tondeuse. Mais c'est à lui, hein, c'est pas fourni. Alors, le mec, il a eu vachement les miches. Bon, il a pas coupé les cheveux parce qu'une fois, il y en avait, il avait coupé les cheveux un bicnit, comme ça, hein. Eh ben, il a eu un avertissement, hein. Et au bout de 30 avertissements, on peut avoir un blâme. Et au bout de 30 blâmes, on passe devant un conseil de discipline, on peut être dégradé. Ah, t'es connu. Alors, Robert, lui, il s'en fout, il est pas gradé. Non, mais les gradés, ils font gaffe, hein. Oh, on se fout les yeux. Tiens, un autre exemple. C'est déjà deux, hein. Notez, hein. Bon, l'autre jour, j'étais de faction à une intersection affectée à la surveillance des usagers. En clair, je bulais un carrefour. Bon, j'étais là depuis un bon quart d'heure, je foutais rien. Vous savez, quand on fout rien, les mecs, des fois, un peu comme là, quoi. Alors, j'étais... Ah non, mais pire, parce que nous, quand on fout rien, on n'y pense même pas. Hein. Alors, j'étais là... Non, merde. J'étais là comme ça, bon, je vois un mec qui s'amène avec un petit papier... Je sentais qu'il voulait me demander un renseignement. Mon a dit qu'il n'osait pas, qu'il avait peur. C'est genre le mec louche un peu. Basané. Ah oui? Non, parce que nous, on nous apprend à reconnaître les mecs louches. Hein. Fait des stages avec les chiens et tout. Hein. Tu sais, en deux langues. En allemand pour le chien, en arabe pour le mec. Alors, on était... C'est pas là, je vous dirais. Non, non. Faites passer, c'est pas là. Alors... Bon, alors j'étais là, et le mec, il est tourné. Bon, si vous voulez, il était pas franchement louche, mais il était franchement basané, hein. Mais, bon. Alors, moi, je l'avais vu, le mec, mais je faisais mine que rien. Je vais vous le faire. Je le fais bien, hein. Ah oui, mais je m'entraîne. Alors, il était là avec son petit papier tourné autour de moi, et je sentais qu'il n'osait pas, qu'il avait peur. Le genre, le mec, patibulaire, tu vois, mais presque. Finalement, attends,
Finalement, il s'amène. Pardon, monsieur l'agent, excusez-moi. Est-ce que ça, vous pouvez m'indiquer où est-ce qu'il est, pas sur la tête, le commissariat de police, parce que j'ai perdu mes papiers d'identité. Je voudrais faire une déclaration. Excusez-moi. Oui, vous avez vos papiers? Il les avait pas, dis donc, je te l'ai emmené au commissariat.